Bonjour, ici Pierre Maumont. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous à une problématique essentielle quand on investit dans l'immobilier, qui est comment faire pour limiter autant que possible la dévalorisation du bien dans lequel j'investis pendant une durée significative, mettons pendant 15 à 20 ans. Donc je vous ai déjà expliqué dans une vidéo récente que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'immobilier neuf, pendant 15 à 20 ans, se dévalorise moins, en général, bien sûr, on pourra toujours me citer des exceptions nombreuses, mais en général, l'immobilier neuf se dévalorise moins que l'immobilier ancien, principalement parce que, pour deux raisons, parce que, étant neuf, son état d'entretien ne devra pas être amélioré avant 15 à 20 ans, donc tout ira bien pendant cette durée-là, et d'autre part, parce que, étant neuf, le niveau de service qu'il offre à des locataires, et c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on réfléchit pour de l'investissement locatif, le niveau de service qu'il va offrir à des locataires va rester pendant longtemps au maximum de ce qui se fait, il ne sera donc pas nécessaire de faire des travaux d'amélioration. D'autre part, on constate à l'expérience que dans les grandes villes, personnellement c'est mon expérience, évidemment je n'ai pas moi-même investi partout en France et mes clients ne sont pas non plus des clients qui ont investi partout en France, j'ai toujours fonctionné dans des grandes villes ou dans d'autres grandes villes moins grandes qui étaient dans la même zone géographique. On constate que lorsque ces biens achetés neufs sont revendus 15 ans après, voire un petit peu plus parfois, on retrouve à peu près les prix d'achat. Alors pourquoi ne sont-ils pas vendus moins cher, sauf cas particulier? Bien, c'est d'une part parce que justement il n'y a pas eu beaucoup de dépréciation de l'état physique du bien, que pendant ce type de durée, les marchés de l'immobilier ont plutôt tendance à monter ou en tout cas n'ont pas baissé, quelles qu'aient été les fluctuations pendant les périodes intermédiaires. Parce que malgré les 15 à 20 ans écoulés depuis qu'ils ont été livrés, ces biens restent donc des biens immobiliers qui correspondent d'assez près à ce qui sort au moment où la vente se fait, à ce qui sort dans le neuf. Autrement dit, même si dans les analyses des catégories des agents immobiliers et des divers professionnels de l'immobilier, ce ne sont plus des biens neufs, on est d'accord, ce sont quand même des biens qui, aux yeux du public, sont quasiment des biens neufs et sont regardés comme tels, et à juste titre. Et c'est certainement ce qui permet au prix de ces biens de se maintenir, grosso modo, par rapport à ce qu'a été l'inflation. Pas toujours, mais enfin quand ce n'est pas le cas, on n'arrive pas à des écarts qui sont considérables. Dans l'ancien, les choses vont se passer différemment, parce que malgré les travaux qui ont dû être faits lorsque l'investisseur a acquis le bien ancien qu'il va louer, le vieillissement du bâti, lui, va continuer à son rythme, qui est celui d'un bien qui a plusieurs dizaines d'années, et nécessairement, avant l'échéance de la vingtaine d'années que l'on a pris pour réfléchir concrètement sur le sujet, des travaux supplémentaires apparaîtront. Alors, soit ces travaux seront faits, auquel cas ça augmentera le prix de revient de l'investissement, soit ils ne seront pas faits, et la dévalorisation se manifestera à la vente. Alors, pour autant, ne croyez pas que je sois un ennemi de l'investissement dans l'ancien ou de l'acquisition dans l'ancien, de manière plus générale. Pour moi, la vraie question, c'est dans quel cas de figure vaut-il mieux acheter de l'ancien, dans quel cas de figure vaut-il mieux acheter du neuf. Et dans le cas de la question qui est le sujet de cette vidéo, il faut élargir l'analyse à la position géographique des biens, autrement dit aux emplacements des biens. Donc plus concrètement, est-ce qu'il vaut mieux acheter
dans une ville premium, donc une très grande ville de France. Un bien immobilier donc que l'on paiera au prix du marché de cette ville, ou de manière plus générale, on peut dire au prix de marché des villes premium, ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, acheter dans une petite ville un bien immobilier que l'on, non seulement que l'on ne paiera pas au prix du marché, mais que l'on paiera encore moins cher que le prix du marché, parce que ce bien nécessitera un certain nombre de travaux. Donc, dit autrement, est-ce qu'il vaut mieux se situer sur les biens qui, à la fois par leur niveau de qualité et par le niveau de qualité de leur environnement, seront parmi les plus chers du marché national, ou au contraire, s'il vaut mieux se situer de l'autre côté du spectre et se porter sur des biens qui, à la fois par leur état qui nécessite des travaux et par leur environnement, à savoir une petite ville où évidemment les prix de l'immobilier sont beaucoup beaucoup moins chers que dans les villes premium, est-ce qu'il vaut mieux se porter sur ce type de bien? Dans le cas de l'investissement dans une ville premium, on compte que la tendance de long terme du marché de l'immobilier sera une tendance haussière. Autrement dit, que ce que l'on achète aujourd'hui 100 vaudra très vraisemblablement d'ici 15 ou 20 ans 120, 130, 140. Statistiquement, on a certainement raison. Le problème, c'est qu'en pratique, si on est amené à revendre de manière non souhaitée, mais impérative, alors que on se trouve dans un creux du marché, parce qu'évidemment, le fait que le marché soit sur une tendance normale d'augmentation dans ce genre de ville, d'augmentation de X% par an, ça n'empêche pas qu'il y a des moments où il y a des creux. Et à ce moment-là, on peut se trouver avec une perte qui va être importante, tout simplement parce qu'elle porte sur quelque chose dont la valeur absolue est un prix élevé. Si vous avez acheté un bien qui vaut 300 000 euros, que ce bien a perdu 20% parce que le marché traverse une crise momentanée qui fait perdre 20%, y compris dans les villes premium, eh bien vous allez perdre 60 000 euros lorsque vous le revendez. Inversement, le bien décoté dans une ville elle-même décotée a un potentiel de baisse qui est beaucoup plus faible, puisque en réalité, s'il est vraiment bon marché, c'est que la dévalorisation qu'il pouvait subir a eu lieu. Ce bien a perdu une grande partie de sa valeur et il ne reste plus qu'une valeur résiduelle qui est plus ou moins égale au prix du terrain qui, dans ce type de ville, ne vaut pas grand-chose, plus le prix des matériaux de construction. Donc on a une valeur qui vaut en réalité quelques centaines d'euros du mètre carré, et c'est à ce prix qu'il faut l'acheter. À ce prix, il faudra ajouter quelques centaines d'euros pour le rénover de façon à ce qu'il soit séduisant pour des investisseurs, enfin pour des locataires, pardon. Et bien évidemment, ça veut dire qu'il faudra quand même chercher assez attentivement des biens qui tiennent la route dans ce parc de biens décotés, parce qu'il est certain que parmi eux, on trouvera des biens qui vont nécessiter des travaux considérables et dont le prix de revient serait finalement plus ou moins celui du marché local concerné. Par contre, si on trouve des biens qui nécessitent des travaux plutôt raisonnables, on aura un prix de revient final qui sera de toute façon en dessous du prix de ce marché local qui lui-même a beaucoup perdu par rapport au niveau national et même probablement par rapport à ce qu'il a pu être à une époque. Donc en quelque sorte, on va se trouver au taquet, au seuil inférieur à ce que les boursiers appellent un seuil de résistance qui sera très fort pour protéger notre acquisition en cas de baisse des marchés. Deuxième avantage du choix de ces biens à très faible prix, qui demande, je suis tout à fait d'accord, un travail significatif pour d'abord du point de vue documentaire repérer les villes qui entrent dans cette catégorie et ensuite sélectionner les biens qui ne nécessitent pas des travaux excessifs de façon à ce que le prix de revient soit strictement contenu et inférieur au prix du marché local. Deuxième avantage, c'est que le rapport locatif sera élevé. Même si dans ces petites villes, on a des loyers au mètre carré nettement plus faibles que dans les villes premium,
comme de toute façon on va payer l'immobilier, en particulier le type d'immobilier que je suis en train de vous décrire, on va le payer plusieurs fois moins cher, eh bien on va avoir des rendements locatifs qui seront beaucoup plus élevés que dans les villes premium, si bien qu'on se trouvera assez facilement en situation de trésorerie positive. C'est-à-dire que, je vous rappelle ce que j'appelle la trésorerie positive, c'est même la définition de tous les professionnels, c'est ce qui vous reste une fois que, enfin, ce qui reste du loyer que vous avez encaissé, une fois que vous avez payé toutes les charges de fonctionnement, donc taxes foncières, charges de copropriété s'il y en a, frais de gestion si vous avez donné votre appartement en gestion, provision pour le maintien en état par rapport à, on va dire, à l'entretien courant, etc. Et également que vous avez déduit de cela le montant de l'annuité, enfin de la mensualité de prêt. Voilà. Et à partir de ce chiffre, donc on va dire que c'est un loyer net, net de tout, il faudra tenir compte de la fiscalité, bon, qui pourra être significative ou très faible, selon les dispositions que l'on prendra par rapport au cadre général des impôts pour éviter de se faire massacrer, ou que l'on ne prendra pas faute de compétences. En tout cas, il faudra retirer la fiscalité et le but, et ce but sera atteint dans le cas dont je suis en train de vous parler, c'est d'avoir un résultat qui soit positif, autrement dit qu'on ne soit pas obligé de mettre de l'argent de notre poche tous les mois pour faire fonctionner le système. Alors, je vous ai expliqué dans d'autres vidéos que, en général, ce résultat positif n'était pas acquis éternellement et qu'il venait un moment où, dans l'ancien, la performance se dégradait, notamment pour des questions de coûts d'entretien, et qu'à ce moment-là, on aurait un résultat négatif, donc il faudrait sortir de l'argent. Donc ça, évidemment, je ne cherche pas mon discours là-dessus, c'est une réalité. Mais plus on démarre avec un bien dont le rendement locatif est élevé, on comprend tout à fait que ça favorisera la durée du résultat positif. Alors la question du résultat positif est importante, puisque si on veut enchaîner les investissements, il faut le plus possible ou avoir de résultats positifs ou limiter drastiquement les efforts qu'il faut faire tous les mois pour investir. Voilà où en est mon analyse à l'heure actuelle. J'aimerais avoir vos commentaires, en particulier si vous avez des retours d'expérience qui confirment ce que je suis en train de le raisonnement que je suis en train de faire, voire qui irait en sens contraire. Et dans tous les cas, j'aimerais avoir les éléments précis de la situation que vous avez connue. Donc si ça vous intéresse, enfin si, indépendamment de l'aspect commentaire, cette vidéo vous intéresse, eh bien évidemment, likez-la en cliquant sur le pouce bleu. Si vous voulez connaître la suite, car je vais...